À la une ce soir, les services de l'État mobilisés pour comprendre l'origine des odeurs de gaz constatées dans plusieurs quartiers de la capitale depuis lundi. Les secours sont intervenus plusieurs fois ces deux derniers jours. Pour l'heure, aucune piste ne peut être privilégiée. La mobilisation des agents de la CTM continue. L'intersyndicale annonce être prête à renforcer le mouvement sans réponse à leurs revendications. Ils réclament en priorité la reprise de l'organigramme. Journée porte ouverte au centre d'enseignement et de simulation en santé de Martinique. Le public a pu assister à des opérations réalisées sur des robots. Objectif, faire découvrir à la population les nouveaux outils de la structure. Et puis nous recevons ce soir la Miss Jeunesse Martinique qui a été élue première dauphine de Miss Jeunesse France, Monia Budoc-Louisé, originaire de Saint-Pierre, nous parlera de son expérience et de ses projets. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà. Deux jours que nous vous en parlons, des odeurs de gaz incommodent les riverains de plusieurs quartiers de la capitale. Les pompiers sont intervenus plusieurs fois auprès de personnes souffrant de picotement des yeux et de nausées, principalement à Dillon. Les services de l'État mènent les investigations pour en connaître l'origine. Voyez le point avec Loïc Régis. Les deux dernières tournées de ce facteur ont été plus compliquées que d'habitude. Fred a ressenti des gênes respiratoires en arpentant les rues de Dillon. Une odeur de gaz envahissait l'air. J'ai senti par un petit moment de picotement au niveau des yeux et puis le nez. Donc c'était pas très fort, mais c'était quand même un petit peu gênant. En plus, il faisait excessivement chaud. Hein. Comme lui, d'autres personnes dans le quartier se sentent incommodées. Ce ne serait pas la première fois que cela se produit. Depuis quelque temps, on a le nez qui pique, les yeux qui piquent, ma mère qui se gratte, qui frotte ses yeux en permanence, ma grande soeur aussi, et moi pareil. Là, comme je vous dis là, je vois trouble, chaque fois je suis obligée d'essuyer les yeux. Tout ça sort de l'incinérateur, parce qu'on a un gros problème avec cet incinérateur-là. Depuis lorsqu'ils ont monté ça, toutes les grandes personnes sont tombées malades. Le lycée professionnel a été évacué hier en fin d'après-midi par précaution. Les pompiers ont dû réaliser plusieurs interventions à Fort-de-France. Nous avons reçu plusieurs demandes de secours émanant de personnes vivant essentiellement sur la périphérie de Fort-de-France, se plaignant donc d'être incommodées par des gaz et certains même allant jusqu'au malaise. Donc cela appelait immédiatement de notre part une réaction qui était d'une part de mettre en sécurité ces personnes et ensuite bien de rechercher les causes du malaise pour éventuellement les traiter. Des enquêtes ont été menées aux abords des entreprises exploitantes de gaz comme la Sara ou Antigaz notamment. Des investigations qui se sont avérées négatives. L'origine des odeurs est encore inconnue. L'ARS a activé sa cellule de veille sanitaire. Nous avons reçu au niveau de la plateforme de veille d'urgence sanitaire à l'ARS de Martinique 4 signaux que nous sommes en train d'investiguer. Ces signaux font état de nuisances olfactives essentiellement. Nuisances olfactives qui sont ressenties par un certain nombre de la population. Donc nous sommes encore en train de les investiguer. Pour l'heure, parmi ces signaux, un retient notre attention particulièrement, puisqu'il implique un certain nombre de personnes dans une école maternelle, et ses symptômes sont de type gastro-intestinaux. Face à cette situation, plusieurs services de l'État sont mobilisés. Les médecins et leur connaissance de la situation, et ainsi que des mesures prises, mesures de l'air et mesures éventuellement du niveau de gaz, mais qui pour l'instant n'ont pas permis d'identifier la source de cette odeur. Pour l'heure, seule l'absence de fuite est confirmée, mais aucune piste n'est écartée. Les relevés se poursuivent pour tenter d'identifier l'origine de ces émanations. Au chapitre social, la mobilisation des agents de la CTM se poursuit après la marche de lundi et deux rencontres avec des conseillers exécutifs de la collectivité. Ils ne sont toujours pas parvenus à un accord. Pour rappel, parmi les 16 points de revendication, ils réclament un nouvel organigramme et de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, après s'être réunis à la maison des syndicats, ils ont pris la direction de la CTM pour reprendre les discussions. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Troisième jour de mobilisation pour ces agents territoriaux. Depuis lundi, la motivation de cet intersyndical ne fléchit pas. Ce qui nous anime, c'est la détermination, c'est la légitimité aussi, et c'est aussi et surtout la conviction que nous portons dans chaque revendication que nous portons est véritablement fondée dans les textes. Nous avons précisé les demandes et nous avons dit exactement ce que nous attendions.
par deux fois déjà, les parties se sont assises à la table des négociations sans succès. Nous sommes des gens sérieux. Si nous n'étions pas sérieux, nous commencerions par faire du blocage. Je crois que l'autorité s'attendait à ce que nous puissions signer assez rapidement un protocole de fin de conflit. Or, il n'est pas possible, avec autant de points importants dans une plateforme, de penser que nous puissions signer un protocole de fin de conflit. Par contre, nous, c'était l'occasion, en tout cas, d'ouvrir les négociations et de discuter chacun des points avec les précisions que nous y avions apportées. Des précisions entendues par l'exécutif de la CTM qui se dit ouvert au dialogue, mais se défend de l'entière responsabilité des dysfonctionnements. Ce ne sont pas des problèmes qui sont apparus comme par miracle le 1er janvier 2016. C'est une accumulation de difficultés. Je prends des exemples. Par exemple, la question de la promotion des agents, la question des conditions de travail. Beaucoup de ces revendications font l'objet de chantiers, ou font l'objet de groupes de travail, sont déjà initiés, ou font l'objet aussi de dispositifs. La preuve, c'est qu'on nous demande de mettre en place un dispositif qu'on a fait voter pour les ASFAM qui n'existait pas avant, qui n'était pas considéré véritablement comme du personnel de la collectivité. L'amélioration des conditions de travail, un sujet primordial pour l'intersyndical. Trop d'agents seraient en souffrance. Nous avons d'autres agents qui ont été hospitalisés, nous avons des agents qui sont en burn-out. Nous recevons, nous, au niveau des organisations syndicales, tous les jours, des agents qui se plaignent de leurs conditions de travail. S'ils ne peuvent pas nous répondre, nous demanderons à voir le président du conseil exécutif. Et si les questions fondamentales ne sont pas réglées, ou si alors nous n'avons pas pu établir un calendrier pour des discussions véritables afin d'aboutir à des solutions, ah ben à ce moment-là, nous allons durcir le mouvement. Le dialogue a d'ailleurs repris aujourd'hui à 13h. À 16h, le protocole de fin de conflit n'avait toujours pas été signé. Autre mobilisation qui se poursuit, celle du syndicat SNES dans le collège du François, bloqué depuis lundi. Le syndicat des enseignants proteste contre la suppression de 4 classes et de 7 postes d'enseignants. Des revendications relayées aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la députée Josette Manin qui a interpellé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre des questions au gouvernement. Voyez un extrait de leur échange. L'annonce de la fermeture de plusieurs classes à la rentrée prochaine a créé un véritable émoi auprès du personnel éducatif, la colère et la mobilisation des syndicats et des parents. Les motifs évoqués par votre ministère, baisse du nombre d'élèves de l'académie du fait de la chute démographique de l'île, volonté de retranscrire les choix budgétaires du gouvernement qui demande la suppression de 57 postes d'enseignants et par effet de ricochet 45 classes. Pour rappel, cela fait plus de 10 ans que chaque année, le ministère de l'Éducation nationale supprime des postes dans notre territoire. Au total, c'est 950 postes qui ont disparu, alors que les chiffres du décrochage et du nombre d'élèves en difficulté scolaire sont au plus haut, avec 20% des établissements en éducation prioritaire contre 10% au niveau national. Je vous fais grâce des difficultés sociales qui viennent s'ajouter à ces problématiques. La Martinique ou n'importe quel territoire de France ne peut être sujette à de simples calculs budgétaires en ce qui concerne l'éducation. Les chiffres sont simples, ils sont là. Il y a 1107 élèves en moins dans le premier degré. Il y aura 11 postes supplémentaires dans le premier degré à la rentrée prochaine. La Martinique est ainsi l'académie de France qui a le meilleur taux d'encadrement, toutes académies comparées. Il y aura par ailleurs 35 dédoublements de CP en REP et 10 dédoublements de CE1 en REP+. J'y crois d'abord pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nous créons des postes dans le premier degré et que les suppressions dans le second degré sont bien moindres que celles que l'on a connues dans les années précédentes. Donc ce qui compte maintenant, ce sont les enjeux qualitatifs. Ces enjeux qualitatifs que j'ai vus quand j'ai visité la Martinique, notamment pour réussir dans l'enseignement supérieur lorsque nos élèves passent le baccalauréat et aussi pour réussir leur insertion professionnelle lorsqu'ils passent un bac pro. Ce que nous allons faire donc dans les mois et les années à venir, c'est le renforcement du second degré sur le plan qualitatif, avec des formations insérantes. C'est le sens aussi de la politique menée par le nouveau recteur Pascal Jean que vous avez cité. Je suis donc optimiste pour la Martinique et prêt à travailler avec vous sur cet avenir dessiné ensemble.
Le Centre d'enseignement et de simulation en santé de Martinique a ouvert ses portes au grand public ce matin à l'hôpital Mango-Vulsin. Une opération pour faire découvrir à la population les nouveaux simulateurs pour les accouchements, les opérations ou encore pour la coloscopie. Les visiteurs ont donc pu assister aux manipulations réalisées sur des robots. Reportage de Guy-Raphaël René. Votre patiente est en train d'accoucher dans l'ambulance. Faites vite, mettez les gants, on y va. Elle souffre, hein. Allez-y. Dans cette salle de travail, Elsa se retrouve aujourd'hui dans la peau d'une sage-femme dans le cadre d'une simulation d'accouchement. Je pousse encore ? Non, arrêtez de pousser. Une situation inédite pour tous les visiteurs qui a permis notamment aux mamans comme Elsa de revivre ce moment, mais de l'autre côté de la barrière. On vient d'avoir une petite fille. Vous l'avez appelée comment ? Léa ? Elle se prénomme Léa, elle va très bien, elle respire bien et on va la prendre en charge dans la salle d'à côté. Beaucoup d'émotions parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver à cette place comme ça, hein. C'est rare. Et ça me fait beaucoup d'émotions, ça me touche beaucoup. Vous pensez que c'est aussi proche de la réalité comme ça, la simulation ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas aussi proche, non. Un mannequin aussi souple, le bébé aussi souple avec le poids qu'il faut, non, pas du tout. Des simulations appliquées aussi bien en obstétrique, qu'en pédiatrie, qu'en bloc opératoire avec un matériel moderne qui permet d'être au plus près de la réalité. Les mannequins sont, je dirais, presque vivants, puisque l'amputation de ce monsieur pouvait saigner et tout ça. Alors, c'est réaliste. Ça aide pour évidemment les professionnels. Mais également, les personnes savent, ils voient un peu comment ça se passe en situation réelle. Donc, c'est important aussi de savoir. Alors, oui, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oui, je suis là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des mannequins qui parlent et réagissent comme un patient en fonction du scénario choisi, grâce à cette console qui permet de déclencher saignement, contraction et bien d'autres paramètres. De cette console, je peux aussi commander le déroulement du scénario en décidant de la tension de la maman. Donc je modifie sa tension, je modifie ses paramètres vitaux, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire. Et on peut comme ça faire interagir dans un scénario réaliste les soignants pour vraiment qu'ils aient une immersion comme dans la vraie vie. Simuler pour mieux soigner, depuis 2016 environ 900 professionnels, médecins, infirmiers, sages-femmes et autres ont été formés grâce à cette technologie sans risque. Et pour être complet, notez qu'un colloque sur la simulation en santé sera organisé demain au Centre culturel du Lamentin de 8h à 17h avec en invité le professeur Jean-Claude Grandry, considéré comme le père de la simulation en France. Santé toujours avec cette question. Comment manger des produits locaux en ayant l'assurance qu'ils ne soient pas contaminés au chlordécone ? Ce sera bientôt possible avec le projet lancé par le PNM. Il s'agit du lancement d'un label certifié, une démarche de valorisation grâce à une procédure de marquage rendue possible grâce à un ensemble de tests réalisés sur tout le territoire. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Nous avons une connaissance du terrain par rapport à la problématique chlordécone, puisque depuis qu'elle s'est posée, c'est la FAO donc qui analyse les sols pour le contrôle d'un certain nombre d'organismes, aussi bien la Chambre d'agriculture, le BRGM ou l'ARS. Et puis la deuxième chose, c'est que nous travaillons aussi en termes de réduction de l'usage des pesticides. Donc, aujourd'hui, on a une connaissance, par rapport aux analyses, je disais 10 000, on a une connaissance de la situation des terrains chlordécone. Donc aujourd'hui, c'est de mettre ça en commun, à définir une bonne cartographie pour savoir où il y a une pollution, et quand il y a une pollution, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, faire la synthèse de tout cela, ça ne nécessite pas nécessairement des moyens supplémentaires, mais mise en convergence dans le but de garantir à la fois la traçabilité et le label viendra effectivement garantir cela. Aujourd'hui, l'idée face à cette sinistrose que nous connaissons avec le scandale du chlordécone, c'est de permettre aux consommateurs d'identifier des produits sains qui garantissent la traçabilité de ces produits et surtout, après avoir rassuré les consommateurs, permettre aux producteurs martiniquais, aux agriculteurs, de vendre leurs produits. Seuls 30% des terres ont été contaminées, ce qui veut dire qu'il y a des surfaces agricoles utiles, plus de 70%, qui permettent de développer une agriculture durable et une agriculture saine.
Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane où une manifestation de sensibilisation des lycéens à la sécurité routière a été organisée aujourd'hui. Un événement au lendemain d'une journée très meurtrière sur les routes du territoire. En Martinique, les finales du rallye de mathématiques se sont déroulées cet après-midi au collège Édouard Glissant. 630 élèves ont participé au concours et puis coup de projecteur dans notre JT des communes sur le coworking qui se développe de plus en plus chez nous. Nous vous emmènerons à l'espace Bee Jungle installé au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Je vous le disais, les lycéens de Cayenne ont assisté ce matin à un grand forum de la sécurité routière. Hasard du calendrier, la manifestation s'est déroulée au lendemain d'une journée très meurtrière sur le territoire puisque 4 personnes ont perdu la vie sur les routes guyanaises hier. Les jeunes considérés comme les automobilistes de demain ont particulièrement été sensibilisés sur l'intérêt du respect du code de la route. Reportage de Jonathan Larrieux. Difficile de rouler droit pour les élèves du lycée Michotte de Cayenne. Après avoir mis ses lunettes spéciales, ils sont confrontés à un monde vu au travers des yeux d'une personne en état d'ébriété. Mais c'est flou, on voit pas bien et tout ça. C'est difficile. Avant, je mémorise le truc et après, j'ai réussi, mais c'est complètement fou. C'est complètement flou quand je passe le truc. Ouais, c'est très chaud. Et... ouais, c'est chaud. Mais quand on fait la route et le volant... Une perte de réflexe et de la réalité qui pourra amener à cette situation. Ici, les pompiers de Cayenne simulent un accident entre un vélo et une voiture. Les deux blessés semblent être dans un état inquiétant. Nous avons eu un accident fin hier avec un choc frontal sur Mana. Nous avons eu aussi, ça fait quand même 4 morts. Et plus c'est fréquent, il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par ces accidents qui se passent en ce moment. Je pense que c'est du civil, c'est le comportement. Il s'est confronté toujours matin, midi et soir. Donc il faut quand même prendre des précautions, la vigilance, revoir le comportement, le partage de l'autre. Ce sont tous ces mots que je donne à chaque fois. Pour cette 7e édition, l'utilisation de ce genre de scène est un atout majeur. Une voiture tonneau devrait bientôt faire partie des accessoires de sensibilisation du lycée. Toujours en Guyane avec une opération ville morte organisée à Kourou pour dénoncer une insécurité grandissante. Une manifestation organisée à l'appel de plusieurs collectifs soutenus par la Chambre de commerce et d'industrie. Les commerçants ont été invités à baisser leurs rideaux. Voyez ce reportage d'Ayodélie Germain. Des centaines de manifestants ce matin dans les rues de Kourou. Habitants et surtout commerçants, ils réclament des mesures immédiates contre l'insécurité. Des cas de braquage de plus en plus fréquents. Le 17 et le 18 février dernier, un épicier a été victime d'un cambriolage avec des faits de violence. Un commerçant témoigne de la décomplexion des délinquants, conforté par une police laxiste. La gendarmerie, souvent, entre guillemets, se fout un peu de nous, quoi. Lorsqu'il y a des petits vols, il ne vient pas. Parfois, on les appelle, on attrape les voleurs même, il ne vient même pas. Une fois, la dame a dit qu'elle attrapait un voleur, quoi, qu'il volait un petit truc dans son magasin. Une demi-heure après, les voleurs ne sont pas encore là. C'est 2 heures après qu'ils sont venus. Donc la dame a regardé la voleuse pendant une demi-heure, mais les gens ne sont pas venus. Elle me dit même lorsqu'il rappelle, parfois il les raccroche, il ne répond même pas à son téléphone. Construction d'un commissariat, détachement d'une BAC de la police nationale à Kourou ou mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs. Voilà quelques-unes des revendications des manifestants qui s'impatientent. Ça fait quand même pas mal d'années que nous, les commerçants de Kourou, les habitants, nous nous battons contre ce fléau. Nous avons vu l'année dernière, nous nous sommes manifestés encore sur ce sujet-là. Un an après les accords de Guyane, on se retrouve, je ne dis pas dans la même situation, mais vraiment encore pire, puisque maintenant les bandits ils nous tirent dessus, ils tirent dans nos établissements et on arrive à un degré de sécurité qui est insoutenable. Un plan de 3 millions d'euros sur les 3 années à venir pour l'installation de vidéoprotection, la rénovation des lignes d'éclairage pour les 2 prochaines années
ou 2 voitures supplémentaires au service de la police municipale. Pour l'heure, les annonces de la municipalité sont loin de satisfaire toutes les attentes des commerçants. De retour en Martinique avec les finales du rallye des mathématiques qui se sont déroulées cet après-midi au collège Édouard Glissant au Lamantin. L'édition de cette année a rencontré un vif succès puisque pas moins de 630 élèves y ont participé. Les noms des lauréats seront dévoilés le 14 avril prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise de prix. En attendant, Loïc Régis a recueilli les impressions. Regardez. Ça s'est très bien passé. On était un peu stressés au début, mais tout s'est bien passé avec mon équipe, puisqu'on est entre amis. Donc voilà, ça s'est bien passé, on s'est amusés. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as aimé comme exercice? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui a retenu ton attention? J'ai bien aimé le dernier exercice, c'était de la programmation. Et vu qu'on a vu sa technologie, ça nous a facilité la tâche. Là, c'est des exercices de logique, c'est-à-dire que n'importe quel élève plutôt doué ou pas en maths peut le faire à condition qu'il ait une bonne logique. En fait, ça ne demande pas de connaissances en maths, plus en fait d'une bonne logique. En fait. Ça compte pour eux et nous remarquons qu'ils commencent d'abord au primaire à faire finalement et à participer à cette manifestation et ils l'attendent en fait. Une fois qu'ils passent les différentes catégories, ils l'attendent parce qu'ils savent qu'en fait, finalement dans cette manifestation, nous leur donnons leur chance. Nous leur donnons leur chance de découvrir les mathématiques autrement, de travailler en équipe, c'est le but justement de l'association, de leur permettre de voir les mathématiques autrement, d'apprendre à travailler en équipe et puis pourquoi pas de créer des vocations scientifiques. Elle a 17 ans, elle est originaire de Saint-Pierre et s'appelle Monia et depuis samedi dernier, elle est la première dauphine de Miss Jeunesse France, Monia Butoc-Louiset. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer notre entretien, on va regarder un portrait de vous réalisé juste à votre arrivée, qui ne remonte qu'à hier soir d'ailleurs. Oui. On regarde cet extrait. Première dauphine. N'est autre que Miss Jeunesse Martinique. Après un week-end la tête dans les étoiles, Monia retrouve son quotidien. Reprise des cours ce matin au lycée de Bellefontaine où elle est inscrite en terminale L. Si le cartable a remplacé l'écharpe, la présence de la Miss ne passe pas inaperçue. Je trouvais déjà que c'était une très jolie jeune fille. Donc je ne suis pas étonnée que Monia ait réussi à obtenir la place de première dauphine. Elle a de la volonté, elle a envie de bien faire les choses. J'essaie de faire mon possible pour leur donner et lui donner les meilleures armes pour qu'elle puisse passer son examen à la fin de cette année. C'est hier soir que Monia est revenue en Martinique, auréolée de son nouveau titre. Une fierté pour ses parents qui l'ont accompagnée pas à pas jusqu'au bout de l'aventure. C'était des moments très difficiles, très durs, beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions et beaucoup de réflexions. Parce que les candidates étaient quand même très jolies. Et elles avaient du charisme. Et ce n'était pas évident d'arriver à ce niveau, à la 5e place. Et effectivement, comme dit mon épouse, quand on a su qu'elle était dans les 5 finalistes, on était très satisfaits. Elle est dans ce domaine depuis un petit moment, on va dire, donc elle s'y connaît. Donc elle a, sur scène, elle a une présence que peut-être n'ont pas les autres. Donc je pense que ça lui a permis d'arriver assez loin par rapport, je pense, au vote du jury, parce que les votes du jury valaient pour 50%. Et les votes par SMS, 50% également. À mon avis, je pense qu'elle n'a pas eu suffisamment de votes parce qu'en fait, en Martinique, en fait, dans les dom-toms, Orange ne passait pas. Pour l'année 2018, Monia s'est fixé 2 défis. Le premier, obtenir une place au concours de Miss Jeunesse France. Pari tenu. Il lui reste maintenant à réaliser son 2e challenge, décrocher en juin son baccalauréat. Voilà. Comme. Si, bueno, y vale. Ok. Gracias, chica. Voilà, maintenant qu'on a la réaction des proches, on va recueillir la vôtre. Vous revenez d'un concours où il y avait 25 autres jeunes filles qui étaient organisées à Montpellier. Un concours réservé aux jeunes de 16 à 19 ans. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Alors effectivement, c'est un domaine que j'affectionne énormément. Depuis toute petite, je participe à des élections et j'ai voulu poursuivre ce rêve de petite fille. Et mes proches m'ont soutenue à
de poursuivre. Et pourquoi ce concours plutôt que celui de Miss France qui est plus connu par exemple ? Pourquoi celui-ci ? Parce que c'est une élection qui n'a aucun critère, aucun critère de poids ni de taille. Ah bon, et donc, je n'ai pas la taille ni le poids pour être sélectionnée dans l'élection de Miss France. D'accord. Donc là, c'est que la beauté et l'apparence qui comptent, c'est ça ? Oui, et aussi l'intelligence. Et l'intelligence, bien sûr. Alors, oui, on l'a vu. Vous êtes... Dites-nous de votre parcours scolaire, déjà. Je prépare mon baccalauréat littéraire. Très bien. Alors, justement, on va parler maintenant de votre parcours en Martinique, votre élection qui remonte à juillet dernier. Vous étiez 12 candidates. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Toujours le stress, et je vais même dire que je stressais plus en Martinique qu'à la nationale. J'étais vraiment contente de remporter la première place en Martinique et je suis aussi fière de porter la place de première dauphine à la nationale. Dans le sujet, votre papa a expliqué que vous étiez parmi les 5 premières. Vous êtes première dauphine de Miss Jeunesse France. Expliquez-nous comment ça se passe ce concours exactement. Alors, je suis première dauphine, mais tout avant moi, il y a la Miss l'égérie, la Miss Sourire, et après, je suis première dauphine. Très bien. Alors, quelles seront les missions de la première dauphine maintenant ? Comment ? Quelles seront vos missions en tant que première dauphine ? Représenter la Martinique comme je pourrais. Représenter les jeunes. Donc, je suis l'ambassadrice des jeunes de la Martinique. Très bien. Comment ? Et vous allez participer à des manifestations, un peu comme la Miss Martinique, Miss France ou, Oui, voilà, c'est ça. Je participerai à des manifestations en Martinique. Et quels sont vos projets pour plus tard ? Je souhaiterais continuer dans ce domaine. Car j'affectionne ce domaine de la mode. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. D'avoir répondu à nos questions et puis bon courage dans vos projets et puis pour le baccalauréat qui est très important. Voilà, surtout. Merci à vous. Merci. Allez, ATV reste tout proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Des jeunes qui se regroupent pour travailler ensemble ou échanger, cela s'appelle le coworking et le concept prend de plus en plus d'ampleur chez nous, à l'image de Bee Jungle qui a pris ses quartiers à Sainte-Thérèse, à Fort-de-France. Hubert Bornil et Guy Raphaël René se sont rendus sur place, regardez. Elle est révolue l'époque où on travaillait seul dans son petit coin. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, on décide de se mettre en réseau. Alors déjà, ça s'appelle Bee Jungle, être... la jungle de l'entreprise, du cerveau, ça cogite, ça travaille. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tu as une deuxième transaction. Cette transaction-là... Bee Jungle est à l'origine une jeune association dont les principaux collaborateurs ont décidé un jour de rassembler leurs compétences afin de se rendre plus compétitifs sur un marché du travail qui se veut de plus en plus exigeant. Être dans un environnement qui fait que ça stimule la créativité, ça stimule la prise d'idées, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Le concept, un local commun et ouvrir les portes à d'autres porteurs de projets, c'est ainsi que l'aventure a débuté, d'où le nom. Bee Jungle, c'est soit la jungle, traduit en français, et ça se traduit par une volonté en fait. Oser entreprendre dans la jungle économique en Martinique. Et JB, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé sur Facebook. Je suis en train de faire le making-of de ma dernière vidéo sur les Antilles en croisière. Donc je souhaite la sortir cette semaine, donc je bosse sur ça actuellement. Un peu plus de 100 mètres carrés pour que foisonnent les idées, c'est tout l'intérêt de l'espace collaboratif. Quelquefois, on est confronté à des difficultés où ça peut être des fois insurmontable. Et collaborer avec d'autres personnes nous permet d'ouvrir un petit peu nos horizons, notre vision. Et puis ça apporte des réponses aussi sur des compétences qu'on n'a pas. On est des fois limité par rapport à des projets qu'on a envie de faire. Évidemment, tout cela a un coût. Il faut payer l'électricité, régler le loyer. Alors c'est Sherlène, la toute dernière arrivée, qui se charge du marketing. Tout passe par Internet. Je suis venue justement apporter ma contribution en aidant justement sur la gestion des réseaux sociaux, donc en tant que chargée de communication.
Et ce que j'aime bien ce B-Jungle, justement, c'est que ça me permet de rencontrer du monde, que ce soit professionnellement ou les particuliers, et aussi de travailler en équipe. Monsieur Haribo, H260. Oui. Le H260 est lié au H2. Alors on voit désormais à quoi ça ressemble une jungle urbaine. L'équipe qui travaille en ce moment à la mise en place de sa grille tarifaire, puisque ici même, dans ce bel endroit, vous pouvez aussi venir organiser vos réunions de travail. C'est prévu pour ça. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de collecte sera stationné de 8h à 13h sur le parking du lycée de Bellefontaine. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.